Salut tout le monde! Le 16 octobre 2021, c'est une date qui me restera en mémoire car c'était le concert de sortie de mon deuxième album solo. Avec mes potes Ellie à la basse et à la guitare et Romain à la batterie, on a joué ce nouveau spectacle qu'on travaille tous les trois depuis un an maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma tête, en totale immersion, pour la toute dernière chanson du concert, Des milliards d'êtres humains. Au menu, du bonheur et des problèmes de son. Évidemment, sinon ce serait pas du live. Mais chut, je vous en dis pas plus. Bonne écoute. Allez, dernier morceau du concert. Là, je vais me lâcher parce que c'est la fin de cette sortie d'album. On l'a préparé cette sortie, on l'a répété. Ça faisait un an qu'on préparait ce spectacle. Autant dire que là, ça va être rock'n'roll. En plus, c'est pas une chanson très très difficile. Trois accords, rock'n'roll, mille arrêts. Mais c'est dans l'énergie que ça se passe. En plus, ça va être cool parce que les gens, ils sont à la sortie de l'album, donc certains ont participé au U, ils connaissent déjà la chanson, donc peut-être qu'on va avoir des « Hey !» Ah, c'est cool, ils le font dans la salle. Ah, ils tapent dans leurs mains. C'est parfait, c'est génial, je m'éclate. C'est trop cool. Allez, Ellie. La caméra de Grégoire qui est là pour tout capter. Fallait bien ça quand même, hein, Grégoire? Allez, deuxième couplet, on perd pas le fil quand même. C'est toujours le difficile équilibre. Il faut s'amuser, mais il faut quand même garder le contrôle. Et ça, c'est vrai dans tout type de chansons, même les chansons qui sont assez tristes. Il faut aller chercher dans les émotions, mais il faut pas se laisser submerger par l'émotion. Il y a cette histoire de contrôle toujours sur scène. Allez, on arrive gentiment en deuxième refrain. Un petit problème de micro, là. Je vois mon pote Ellie sur la gauche qui fait des grands moulinets comme Pete Townshend des Who. Je pense que je vais lui piquer l'idée. Là, on arrive tranquillement à mon passage préféré du morceau, qui est le solo de guitare. Je pense que là, Ellie va s'en donner à cœur joie pour ce solo de guitare. Allez, c'est parti! Oh, c'est bon! Oh, c'est tellement bon! Mon pote d'enfance qui est là avec moi pour jouer mes chansons, mais c'est topissime! Ouais, je vais pas oublier les gens. Faire la fête avec eux, c'est quand même le but de la chanson aussi. Ah, il va falloir qu'il chante là. Faut qu'il donne tout. Bon, c'est trop cool, il chante avec moi. Il chante ce micro là. Ça bouge trop. Allez, on fait le petit arrêt pour faire chanter les gens. Allez, il faut que je garde le fil. C'est vraiment hyper plaisant, quoi, putain. Quand je repense au moment où j'ai écrit cette chanson.
Allez, c'est la fin, il va falloir y aller. C'est parti. Ah, j'ai un problème de guitare, j'ai un problème de son, qu'est-ce qui se passe? Ah merde. J'ai enlevé mon oreille, là tant pis, je vais pas me ruiner la fin du concert, j'ai plus de retour dans mes oreilles mais c'est pas grave. Allez, je m'en fous, je vais faire la fête avec les gens, j'entends plus rien dans mes oreilles mais c'est pas grave. Il reste que quelques mesures, je vais pas me gâcher la fin du concert pour ça. Allez, puisqu'Eli il a fait les moulinets des Who, moi je vais faire le saut de Pete Townsend. Là.